Et voilà, on est parti dans cette dernière course. Et tout va pas mal du tout. Nous sommes sous la conduite le long d'accord d'une casaque blanche qui commet une hésitation. Il s'agissait de vice-royauté qui semble avoir perdu une partie de ses chances. Ça, c'est dommage. Bon, mon père vice-royauté. Par contre, on retrouve le 2 Vanessa Datou au commandement. On voit les deux représentants Dubois formidablement placés, 4-5e actuellement. On voit Viva la Vida et à l'extérieur, Via 2. Passage devant les tribunes. On a perdu donc en cours de route vice-royauté. Et on voit Jean-Étienne Dubois qui vient en compagnie de Mathieu Abrivard au flanc du peloton. Nous sommes sur les 2007 de la grande piste. Un bel effort actuellement d'une toque jaune. C'est le numéro 7, c'est Vip de Mortray qui prend la course en main. En deuxième position, le numéro 5, Viva la Vida. Et Via 2 qui progresse à l'extérieur, le numéro 6. Pas loin se retrouve le numéro 9, il s'agit de Valentinoise GD. Pas de la descente avec Viva la Vida, Via 2 qui progresse déjà à l'extérieur. Quand on pense où elle était la dernière fois, Via 2 dans cette portion du parcours, on est très contente de voir la favorite deuxième actuellement. Ça s'annonce bien. Le numéro 5, Viva la Vida, toujours au commandement. Deuxième position, Via 2. La troisième place pour Vip de Mortray. On vient avec Valentinoise GD à distance. Au dernier rang se retrouve le numéro 4, Véronne Vérité. Mathieu Abrivard n'attaque pas pour l'instant véritablement Jean-Étienne Dubois. Toujours Jean-Étienne Dubois en tête avec Viva la Vida. Mathieu Abrivard s'est retourné un peu comme pour se dire « je pourrais peut-être venir dans le dos de mon adversaire principal ». Mais non, ça se referme, il n'en avait pas vraiment envie. Toujours Viva la Vida, numéro 5 au commandement. Deuxième position, le 6, Via 2. Le 7, Vip de Mortray, troisième en dedans. On n'est pas loin avec le 3, Vénézia du Bocage. On n'est pas loin avec le numéro 2, Vanessa Datou. Et voilà l'attaque de Thierry Dubas-Destin avec Vera Piergi à l'extérieur. Qui va peut-être faire que les deux Dubois vont réagir. Regardez l'attaque de Thierry Dubas-Destin, une attaque incisive. Et immédiatement, Thierry Dubas-Destin prend la tête avec Vera Piergi. Il vient de gagner en tant qu'entraîneur il y a un quart d'heure sur les pompes de Toulouse. Et là, il prend la tête devant les deux Dubois, que sont Viva la Vida et Via 2. Renversement de situation avec Via 2 qui passe à l'attaque, le numéro 6 à l'extérieur, en compagnie du 5, Viva la Vida. Le long de la corde, Vera Piergi tient bon. Les favorites sont là. On voit Via 2 qui attaque à l'extérieur, Mathieu Abrivard qui semble avoir beaucoup de ressources. Viva la Vida se bat bien en compagnie de Vera Piergi. Une lutte à 3. Jean-Étienne Dubois, Mathieu Abrivard à l'extérieur, Thierry Dubas-Destin le long de la corde. La quatrième, c'est Vite de Mortray, Gilles Delacour. Via 2 a perdu une longueur à cet instant, mais peut revenir dans la ligne droite. Le long de la corde, toujours Vera Piergi, numéro 8, à la lutte avec le 5, Viva la Vida. Et Via 2, numéro 6, tout à l'extérieur, le 7, Vite de Mortray, est quatrième. La phase finale, on sort les badines maintenant. Et là, c'est la lutte finale, une lutte terrible au couteau, hein, véritablement, entre Thierry Dubas-Destin, Jean-Étienne Dubois et Mathieu Abrivard à l'extérieur. Thierry Dubas-Destin, Jean-Étienne Dubois qui prend l'avantage. Jean-Étienne Dubois qui va gagner aux abords du poteau avec le numéro 5, Viva la Vida. Le 8, Vera Piergi est deuxième. Et qui est troisième entre Via 2 à l'extérieur et Vite de Mortray, pas facile à dire.